super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou les loulous. Caché mais derrière un gros carton. Oui, gros carton. Un gros carton. Bon les amis, je sais pas si vous avez deviné. D'ailleurs, on espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aussi bien. Parce que nous, on y va. Et bien, et oui. Et donc, en plus qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons reçu quoi? Un colis de Stéphanie. De Stéphanie d'Alsace. Et oui. Merci, je sais pas si vous avez déjà Stéphanie. Wow, alors là, ça vient du cœur, Stéphanie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos. Bah, cliquez sur le petit « i » ici. Il se trouve toujours ici, en haut à droite. Parce qu'elle nous a déjà envoyé beaucoup de colis. Donc, on ne te remerciera jamais assez, Stéphanie. Bah, jamais, jamais. Alors, par contre, on a reçu le colis aujourd'hui. Bon, la vidéo ne va pas sortir tout de suite, bien sûr. Mais on était vraiment impatients, même moi, de l'ouvrir, ce super colis. Alors comment entends-toi? Est-ce que tu es impatient? On te voit pas derrière le colis. Oui, je suis impatient. Ouais, t'es impatient? Ouais. Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. Est-ce qu'on l'ouvre? Oui. Bon bah alors allez-y. Attention, ouais. Je suis plus costaud. Attends. Ça y est, c'est ouvert. Des cadeaux. Alors à l'intérieur nous avons deux paquets de cadeaux. Mais ensuite, alors vas-y, sortez tout. Il y a des cartes de Pokémon pour un temps. Oh, c'est trop cool. Ouais. Mais c'est des Pokémon Soleil et Lune. Tiens. Ouais. C'est pas normal, c'est la nouvelle série. Ouais. Ça. Et t'en as pas encore? J'en ai pas encore. T'es content? Elle m'a pris un chasseur soleil et un chasseur. Et un chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son charme. Et un paquet soleil et lune. Deux paquets soleil et lune. Waouh! Alors vous avez vidé le carton? Bon, oui. Là, hop, il va à la baille. Et voilà. J'ai besoin de. Alors on va peut-être répartir tout ça. Donc je pense que là, il y en a une chacun, je pense. Hein? Ça, et puis là, Océane. Oui, il y a même le Joker ici. Voilà, ou alors, voilà, ça doit être comme ça, voilà. Pour Corentin, oui, c'est plutôt Lego Batman. Moi, pour moi, c'est ça. Et moi, j'ai un cadeau. Et ça. Ok, voilà, bon, bah, on a tout. Bah, alors, Stéphanie, super. Alors, tu nous as envoyé encore des choses que les loulous n'avaient pas. Alors, qu'est-ce que... Bah, par qui on commence déjà? Par les cadeaux? Moi. Non, moi, je commence par ça. Maman, pour ça. Alors, attends, parce que c'est... il y a Stéphanie qui m'avait dit dans les commentaires que pour Corentin, il y avait un cadeau emballé qui était normalement pour son anniversaire. Donc, je pense qu'on va commencer par celui-ci. Apparemment, c'est celui de Spider-Man, l'emballage. Donc, on va commencer par celui-là, hein, parce que... on va à Corentin. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Tu sais, là, les porte-clés. Comme ça, le sabre laser là. Ah oui, c'est vrai que je t'en avais déjà acheté un. Oui, le sabre laser. Encore un temps, il adore ça, Stéphanie. Alors, super. Moi, c'était celui-là, c'était celui de lui que j'avais. Moi, j'avais eu celui de lui. Ah, du rouge là, avec les cornes. J'avais eu celui-ci. Donc, on va voir si tu as. Waouh. Je ne sais plus comment il s'appelle lui. Regardez ce qu'il a. Regardez, c'est ça. Regardez, ça va donner une maquette. Et moi, je vais avoir la maquette avec celui-là. Oh, et moi, je pourrais les rajouter avec mes maquettes. Alors, en carton. Il a eu un super... Le TIE Fighter de Star Wars. Oh, c'est pas dit, Corentin adore les vaisseaux, mais il n'en avait pas, Corentin, de cette collection-là. Non, pas de celle-là. Il en a 6 à collectionner. Donc, toi, tu as celui-ci. À moi. Non, moi, il n'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Oui. Je l'ouvre. Encore un temps, tu peux peut-être ouvrir ce cadeau spécial. C'est bien pour mon anniversaire aussi. Oui, c'est bien pour le tien aussi. Eh oui. Donc elle m'a ouvert. Oui. Oh, c'est génial. C'est génial. Oui. Mais toi, tu m'as pas acheté ça. Ah oui. Oh là là, mais Stéphanie, bravo. Ah, franchement, bravo, parce que Océane m'en demandait un depuis longtemps. Oui. C'est vrai qu'à chaque fois, je lui dis non, plus, on prend autre chose. Il y a même le troll. Il y a même le troll ici, donc c'est Elsa avec le troll. Il est plus mobile.
là. Et il y a, c'est des poupées qu'on peut habiller, qu'on peut mettre des accessoires. Mais au sein, tu as déjà une Elsa comme ça, mais qui n'est pas la même du tout. Non. Voilà, super Stéphanie. Et qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Ça. Et ça à partir de 7 ans. Les mini figurines Playmobil, la série 7. C'est pas grave parce que c'est à partir de 7 ans. Non, alors c'est la série 7, mais c'est à partir de 5 ans. Bon, ça fait super longtemps qu'on n'a pas ouvert les mini figures Playmobil, Lolota. Et ça 4 ans ou plus. Et ça 4 ans ou plus. Alors lequel est-ce que tu veux ouvrir en premier? Celui-là. Celui-ci? Enfin, viens, il faut peut-être un petit coup de ciseau là. Un petit coup de ciseau. Alors on ouvre ça. Et toi, Lolo, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, c'est bon, je viens de le faire. C'est bon? Oui. La dernière fois, j'avais eu Aurore. Je crois bien que celle-ci, tu ne l'as pas eu. Mais je crois que tu n'as pas eu encore série 7 en plus. Hein. Je crois que vraiment, tu fais un sans faute, Stéphanie. Ouais. Vraiment. Alors toi, tu veux voir à quoi ça ressemble, ton petit vaisseau? Waouh, il est trop chouette. Oh, mais il tient super bien là-dessus. Non, mais elle est en maillot de bain. Je peux rajouter avec le parc aquatique, elle est en maillot de bain. Elle est en maillot de bain, tu peux rajouter avec ton parc aquatique. Oh, trop bien. Moi, j'ai envie de Lego Batman. Elle ressemble. Et si tu veux, je te montre. Donc là, on va ouvrir, mais encore un Lego Batman. Alors, Corentin a eu deux pochettes Lego minifigure Batman, le film. On va passer les ciseaux. Oui, les ciseaux. Allez hop, tiens. Je sais faire. Fais attention de ne pas te couper, mon chéri. Donc vraiment, deux pochettes, c'est super. Oui, ma chérie, tu veux que je t'aide à monter? Elle n'est pas en maillot de bain. Elle n'est pas en maillot de bain? Oh, elle a une jolie robe aussi. Elle a une jupe. Elle a une jupe. Mais ça peut quand même aller dans ton parc aquatique. Je crois qu'elle a une jupe africaine. Ah oui? Oh. Je crois qu'elle peut aussi aller dans tes Playmobil. Oui, je vais te la monter, madame. Mais si tu veux, tu peux ouvrir autre chose. Madame, je vais te la monter parce que c'est un peu compliqué, les Playmobil à monter. Tiens, il y a une technique à avoir. Hop. Celle-là. Alors, fais voir. Alors, Océane veut montrer le flyer. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a... Il y a un serpent d'Égypte. Voilà. Tout ça. Et moi, Océane a eu celle-ci, apparemment. Ah. Moi, j'ouvre ça. Tu ouvres ça? Bah, ouvre ça pendant que moi, je suis en train de monter le Playmobil. C'est apparemment les mêmes. C'est les mêmes. Ce sont les deux sachets. Ah, mais t'en avais déjà eu, les Magiki, ce sont les sirènes du cœur. Oh, oui, et c'était ça. Oui, je vais la rajouter dans le bain. Tu pourrais jouer dans le bain. Et oui, parce que Stéphanie avait déjà offert une à Océane et c'est vrai qu'elle prend tout le temps son bain avec. Oui, j'adore ça. Elle adore ça, ouais. Même qu'elle peut changer, même que la sirène, elle peut changer de couleur. Mais on doit revoir ça. Oh, la violette. Ouf, je crois que t'allais avoir la blanche. La violette. Mais non, il y avait une différente. Waouh, cool. Moi, c'est quelqu'un qui vient d'Égypte. Toi, c'est quelqu'un qui vient d'Égypte. On dirait pas trop, hein, avec la cape. Moi, j'avais eu la rose. On dirait pas trop qu'il vient d'Égypte avec la cape. La rose. Ah non. Pas trop. Si, hein. On marque. Si, si, en Égypte, ils portent des capes. C'est les comment on dit ça, les sphinx? Non, c'est pas les sphinx. C'est les... Enfin bon, les rois d'Égypte. Tu peux me donner le ciseau? Dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. Tu peux me donner le ciseau? J'avais coupé. Un ciseau? Des ciseaux. Ah, il est là. On dit des ciseaux. Parce que c'est une cisaille et plus une cisaille, et ben ils les ont accrochés et après ça fait des Alors, ciseaux. Non, on dit un ciseau à bois et une paire de ciseaux parce qu'il y a deux ciseaux beaucoup. Et voilà pourquoi on dit des ciseaux. Merci, regarde. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme sirène? Alors bien sûr, avec le coquillage à mettre sur les bracelets et la petite sirène. Oh, elle est trop belle. Elle change de couleur, alors rien qu'avec les doigts, vous voyez. Elle est trop trop belle. Elle l'avait pas celle-là, celle-là. Elle est vraiment choupinette. Hein. Toi, t'avais une blanche et rose, je crois que c'était. Non, c'est ça? Ouais, blanche et rose. Attends, je vais voir le flyer. Il est là-dedans, le fil l'arrière. Elle, c'est blanche et violet. Alors, à l'intérieur, maintenant, nous avons le petit, tu sais, le petit manuel où il y a des jeux à l'intérieur. Ah oui! Pour refermer les yeux. Une petite histoire, voilà. Ouais, un petit coloriage. Et voilà, donc toute celle à collectionner. On apprend les lettres comme au restaurant des pirates. J'avais eu les... Voilà. Au restaurant des pirates, j'avais eu ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, ma chérie. Oh, je crois que j'ai eu pas la même. Encore, j'ai pas eu la même. Encore, t'as pas eu la même. Oh, ben c'est super. Oh, c'est un sans faute, ça. Wow. Merci, Stéphanie. Tiens, tu as les ciseaux? Oui.
regardez. Ah, alors, quand il a son petit ami le serpent. Son premier Lego, donc il est là. C'est un pharaon. Voilà, cherchez le nom. Les pharaons portent des capes. Oui, comment pas. Il est trop trop beau avec son serpent. On dirait Jafar. Si seulement là je vais avoir Batman. Alors voici les mini figures à collectionner des Lego Batman. Encore un temps déjà a eu celle-ci et puis l'autre, ben mystère. Ah, attends. Ah, j'allais faire le. Qu'est-ce que tu as eu? J'ai rien fait, regarde, maman. Wow, alors fais voir toi ta sirène du cœur. Alors c'est vrai, ça part dans tous les sens, hein, c'est tout comme ça les colis. Regarde, oh, elle est trop belle. Ah, et elle devient jaune, regardez. Elle change de couleur, elle devient toute jaune. Elle est trop trop belle. Mais oh, j'adore. Moi je veux ça. Toi tu veux ouvrir ça maintenant? Je connais pas ça. Magic Art Pad. Bah dites-nous les petits copains si vous connaissez dans les commentaires, hein, qu'est-ce que c'est. Laissez-moi, colle-moi partout et lave-moi et réutilise-moi. Vous pouvez utiliser n'importe quel feutre ultra lavable. Donc ça marche avec des feutres ultra lavables. Et apparemment, alors c'est marqué. Alors. Salut, je suis Magic Skitty, la seule et unique feuille magique écologique. Ah, ça c'est pas mal, c'est écologique. L'ami de la nature et des enfants, colorie-moi, colle-moi où tu veux, je suis facile à laver sans détergent. Réutilise-moi autant que tu le souhaites. Moi, super, amène-moi partout. Utilise-moi uniquement avec des feutres ultra lavables. Je ne tâche pas et ne laisse pas de traces. Alors apparemment, c'est quelque chose de... Attends, je sais l'ouvrir. D'écologique, donc ça. Attention, ne pas couper sur je sais pas où elle est la feuille. Vraiment, c'est une feuille qu'on dessine dessus et qui est lavable à souhait. Bon, bah, c'est bien parce que souvent on a manque de feuilles à la maison d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas mal. Je connaissais pas ça, Stéphanie. Bah, dis-nous, est-ce que tu l'as acheté? Tiens, si tu te manifestes dans les commentaires, tu peux nous le dire parce que c'est sympa. C'est sympa. Et toi, est-ce que tu as monté... Avec les palmes, ben, je le mets comme ça parce que sinon, il y a les palmes qui gênent. Ah oui. Ah, alors. Mais moi, je préfère lui mettre. Oh, il est trop marrant. Je l'adore. Ah, je l'adore. Même qu'il sait même pas nager, Batman, il a un canard. J'adore son t-shirt aussi. Ah, il est trop, trop. Ah, celui-là, oh, il est vraiment trop chouette. Ah, moi, j'adore. Ah, j'adore. Ah, non. Super chouette. Ah, mais peut-être si ça peut se mettre, regarde. Hop. Ah non, on peut pas. Bon, on peut pas, vraiment, il est bien comme ça. Ah, maintenant, ça, c'est ça. Ça, allez, bah, tiens, bah, il faut des souvenirs pour ça. Attendez, je vais vous mettre dans ma pochette. Alors, toi, tu as ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est cette Alors, il y a ça. Alors, fais voir. Ça. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça se colle. Ah ouais, regardez. Oh, mais c'est trop chouette. Voilà, c'est un coriage. Alors, c'est un espèce de tissu. Je savais pas. Ça, c'est un coriage. Il y a la reine des neiges dessus. C'est un tissu. Et derrière, bah, ça se colle. Ça se colle au vitre. On peut dessiner dessus. Oh, tiens, j'ai un coloriage avec. Oh, tu veux un coloriage. Bah, attends, loulou. Attends, alors je vais donner ça à ta soeur. Hop. Et là, il y a des coloriages. Bah, cela ne se lave pas, hein, bien sûr. Je suis de la reine des neiges. Voilà. Et je voilà. Oh, c'est chouette ça. Je connaissais pas du tout. Oula, c'est tombé. Alors, je connaissais pas du tout. Corentin dans sa petite pochette de sabre laser Star Wars. Alors déjà, il a eu un coloriage de C3PO avec R2D2. Il est trop chouette. Et ensuite, qu'est-ce que tu as eu? Apparemment, tu as eu un sabre laser qui est vert. C'est là. C'est pas celui de Maître Yoda parce que j'ai vu, et lui, il a un truc noir. Alors que moi, regarde. Regarde bien le papier. Il est le papier, il est là. Ah, voilà. Voilà, on voit ce qu'il y a à collectionner. Donc le vert apparemment, c'est Maître Yoda, hein. Non? Non, parce que... Alors regarde, vas-y. C'est celui de lui. Il a lui. Ah, d'accord. Parce que lui, il a le truc jaune, alors que lui, c'est un tout noir, alors que moi, je l'ai pas. Ah oui, d'accord. Alors, voilà. J'ai cru au début. Alors toi, tu as celui de... Ben, de... Oh, il éclaire bien. De... Ah, ça y est, j'ai un... Il fait du bruit. Non, Gaëtan, dis-moi. Ah. Alors, apparemment, il a eu celui de Luke Skywalker. Et voilà. Merde. Tu as eu celui de Luke Skywalker, le nom. C'est chouette, c'est le héros du film. Alors, c'est super parce qu'il avait un rouge. Et maintenant, il a un vert. Au moins, ça fera gentil et méchant. Ouais, ça fera gentil et méchant. Alors, le sac est en train de dessiner sur sa
super feuille tissu. Enfin, c'est une feuille tissu. Et commandant, qu'est-ce qui te reste à ouvrir, toi? Les boosters Pokémon. Je vais les ouvrir. Oui, mon chéri, on va les ouvrir. Alors, pas avec les ciseaux, hein. Attends, je sais faire, hein. Tu sais faire? Regarde. Bravo! Allez, et tu veux garder la pochette? Oui. Ouah, c'est pour ça que tu vas tout doucement, en fait, parce que Corentin, il veut garder les pochettes. Pour faire un tapis et après, je peux mes cartes. Est-ce que tu veux que je te les sorte, tes cartes? Regardez! Ouais, parce que j'ai peur de les abîmer. Regardez! Oui. Waouh, c'est trop beau! Regarde, Stéphanie, un peu ce qu'elle a fait. Super dessin, magnifique, c'est pour toi Stéphanie, voilà. Oh, mais c'est super chouette, j'aime bien cette matière. Alors Corentin est pressé d'ouvrir ses cartes Pokémon. Donc on n'a pas montré au petit copain. Peut-être que j'aurai une aide. Il a eu deux boosters Pokémon, Soleil et Lune. Soleil et Lune. C'est la première fois que tu en as. C'est quoi ici, il y a écrit attraper les jus. Tu n'as pas encore commencé cette collection là. Donc on y va, on va ouvrir ça. À base de pique. Qui a fait avec? Oh, je l'ai pas. Ensuite, la bibule. Voilà. Qui a fait avec? Maintenant, tu n'avais pas celle-là parce que tu ne sais pas encore comment c'est la collection. Qui a fait avec? Il s'appelle lui. Alors, lui, mais. Tadmori. Tadmori, il est. Et après, il est revenu dans Tadmori. Et voilà. Donc, c'est marrant parce que le. Grumpy, vous regardez? Oui! Normalement c'est de ce côté et là c'est de celui-ci, c'est marrant. J'ai l'ai fait avec la cape. Oh, t'as ouvert ton Elsa. Oh, une arme. Qu'est-ce que tu as? Non, ah oui, une reverse holographique. Attendez, il va mettre tenue. Il va mettre tenue, je vais vous montrer. Oh, il est joli, hein. Oh, regardez celui-là, il est trop joli. Reverse holographique, elle est jolie. Ah, déjà, il est joli, oh. Il attaque à 120. Oh, 60 et plus. C'est vrai? Du coup, il alors, fait pas. Ratatake d'Alola. Voilà. Ensuite. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Oh. Chili. Chili. Poussardine. Poussardine, voilà. Ensuite. Ah, wow. Chili. En dresseur. Une GX. Non! Non! C'est les ex dans la nouvelle collection. Ouah, mais c'est comme les ex full art! Oh! Wouah! Mais pourquoi pas une GX ex full art? Non! Non! Maman? Elle est trop belle. Je me suis dit peut-être que j'en aurais une et j'en ai une. Ouah, wow, mais regardez comme elle est belle, les amis. Mais oh, t'as super bien choisi le booster, Stéphanie. Oh, énergie. Une Floralanti GX Full Art. Regardez comme elle est magnifique, les amis. Waouh, 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 waouh. Wow. Et ensuite, bah, une carte. Bah, énergie. Une carte énergie. Énergie quoi, ça? Ça, c'est une carte énergie, je ne sais pas. Une énergie, je ne sais pas. Bah, dites-nous dans les commentaires, parce que moi, je ne connais pas très bien tout sur les Pokémon. Voilà. Donc voilà, donc là, un Floramantis GX Full Art. Oh, trop trop bien. Alors je ne sais pas si dans celui-ci nous allons avoir autant de chance. Spododo. Elle est vraiment belle. Spododo. Alors ensuite nous avons Spododo. Parce qu'on a ouvert le deuxième booster, donc Spododo. Hermure. Oh. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as eu? Un petit art. Oh, elle est trop belle! Un petit art, elle est trop choupinette! C'est une pâte à modeler! Non, c'est, oh, je sais pas si c'est. Bacabou! Bacabou! Waouh! Evoli! Oh, t'aimes bien? Oh, Evoli, je l'adore, il est trop choupinou! Une rare! On dirait notre chien! Je dirais Rookie! Mange l'auton! Rookie, viens! Regardez, on a un petit. Ah, attends, le loup, regarde, on va montrer le petit Evoli qu'on a à la maison. Il ressemble à Evoli, non? Dites-nous! Il ressemble à Evoli, non? Un petit rookie. Qu'est-ce que tu as eu ensuite? Alors, fais voir. Je sais pas comment il s'appelle. Waouh! Une reverse holographique. Donc là, c'est Manglouton. Voilà. C'est une petite mangouste en fait. Elle est trop belle. Qu'est-ce que tu as? J'arrive pas à lire.
T'arrives pas à lire. Parce qu'on ne connaît pas encore tous les Pokémon par cœur. Hein, il commence. Draco. Hein. Un Chrysaphile. Draco. Voilà. Draco. Un Draco. Oh, j'adore Draco. Il est beau aussi. Il est trop trop beau. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Alors là, c'est Dresseur Pic. Oh, Bonheur. Bazookan. Voilà. Bazookan. Énergie. Et une énergie. Voilà. Voilà, bah, super. Un protège-carte pour celle-là. Ah oui, un protège-carte pour celle-là, pour toi. Ta GX, bah, c'est une super ouverture, ça, loulou. Ouais, mais en plus, c'est ma toute première full art. Ouais, c'est ta toute première full art. Exactement, Stéphanie. Tu lui as offert sa première full art. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on dit à Stéphanie? Merci, merci, merci. Et Océane, qu'est-ce que tu as eu, toi, alors? Elsa. Alors, Océane, elle a eu le petit... Bah, le petit troll. Voilà. Oh, il est trop beau. Un petit troll. Ça y est, c'est magnifique. Qui tient dans sa main, ben, rien pour le moment, parce qu'on va lui mettre quelque chose dans la main. C'est ça. Regardez. Hop, ça, ça va. Ah oui, une... Je sais pas, une flamme. Hop. Voilà. Ouais, c'est une flamme. Non, un cristal. Un oui. Cristal. Oh, il est trop beau. Je l'adore, ce troll. Et ça y est. Waouh, elle est trop, trop belle. Waouh, regardez son Elsa. Alors j'adore moi ces mini-figures quand même parce qu'on peut les habiller, les déshabiller. Il aurait dû être comme ça s'il s'aménageait alors que là. Leur changer les choses dessus, elles sont trop trop bien pour ça. Et voilà, tiens ma chérie. Libérée, délivrée. Il devrait être comme ça s'il s'aménageait alors que là il est avec une bouée. Il est avec une bouée, ouais, c'est pas magique. Est-ce qu'on fait un petit résumé de tout ce qu'on a eu? On joue encore un petit peu et après on fait. Ok, bon, je regarde un petit peu après, on fait. Pas de soucis. Et voici le résumé. Nous avons déjà qui, Océane? Elsa qui est très belle. Elsa qui est très belle avec le petit... Troll avec un cristal dans sa main. Ensuite, bah voilà la feuille qui est lavable avec les feutres ultra lavables et les petits coloriages derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Océane, alors? On a les Magiki avec son petit coquillage, là. Mmh. Alors, on a la verte et la violette. Mmh. On a le Playmobil et on a le petit oiseau. Le petit oiseau, waouh, c'est super, ça. Maintenant, on va voir chez Corentin? Ouais. Alors, dans la pochette à main, j'ai eu un coloriage de C3PO et R2D2. Après, j'ai eu un sabre laser. Après... Dans une boîte à main, j'ai eu un vaisseau Star Wars. Après, j'ai eu Batman à la plage. Il fait trop rire. Il est trop marrant. Il y a un super pharaon dans les mini-figures Lego. Batman. Voilà. Le film. Voilà, Batman, le film. Et ensuite, pour finir, on va passer à la suite. Et du côté des cartes Pokémon, et ben dans les deux boosters Soleil et Lune, ben bien sûr, on a eu un super tab de cartes. Et puis, il n'y a pas de double. C'est super, il n'y a pas de double, hein, Corentin? Ouais. Ensuite, ben voilà, donc on a eu Psycho Quack ben, en holographique reverse. Un Manglouton, pareil, holographique reverse. Et pour finir... Une GX. Une GX, la Floramantis GX Full Art. Full Art, s'il te plaît. Bravo, Stéphanie. Tu nous as dégoté une Full Art. Trop bien, merci, merci, merci. Enfin bon, moi je dis merci, merci, mais bon, ça c'est une ex plus une full art. Lui. Et ça, c'est une ex plus une full art. Une GX full art. Ouais. Ouais, GX, pas ex, GX. Alors les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors Stéphanie, j'ai rejoint les loulous pour te faire vraiment un gros... un gros bisou. Un gros gros bisou, vraiment, t'es super. Vous êtes tous super d'ailleurs. Mais ouais, vraiment, cette vidéo est un peu dédicacée à Stéphanie parce que c'est elle qui a envoyé le colis. On te remerciera jamais assez. Je pense que les loulous sont contents. Oui, très contents. Très contents. Moi, je suis contente de ces petits Lego. T'es contente de ces petits Lego? Ouais, ils sont super chouettes. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré, tiens? Moi, j'ai préféré ça et elle a tout. Tout, d'accord. Pour Zéane, c'est tout. Et Corentin? Tout, moi aussi, mais au moins c'est que j'ai vraiment vraiment préféré celle-là. Ah bah oui, forcément, bah oui, la carte Pokémon... En plus, c'est ma toute première full art. La GX full art, bah oui, forcément, hein, t'as tapé dans le mille. Alors comme d'habitude, tu es toujours au top. On te fait des gros bisous. Après, les petits copains aussi, on vous fait d'énormes bisous. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne. Nombreux.
Oui, de plus en plus nombreux, oui, tout à fait. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut. Pouce vers le haut. Pouce vers le haut. Et puis, si c'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, 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 ciao. Ah, tu m'écris dessus. Ah non. Bisous, ciao, maman. Ciao, bisous.